Moi je dis pas le 7ème mix, donc aujourd'hui on se retrouve sur Lego Marvel Super Hero pour faire le 5ème épisode, il me semble. 5ème ou 6ème, je me souviens plus trop, il me semble que c'est le 5ème. Donc bah, on va tout de suite continuer, on s'en était laissé là la dernière fois, donc bah on va continuer. C'est parti, allez, let's go. Oh. Qu'on fasse quoi? Faut qu'on casse ça, toi. J'ai oublié ce qu'il fallait faire. Ça va vraiment, c'est des pièces, que ça va m'apporter pas mal. Voilà. Ah ok. Tu peux changer de forme pour nous aider ici. Ah carrément. Pas besoin de prendre de douche aujourd'hui. Allez, on commence la mission. Opération Nadviri, je crois. Ça va. Au cœur de l'Europe centrale se trouve une petite nation appelée la Latveri, le fief de Victor von Fatalis. Malgré l'apparence surannée du château du docteur Fatalis, ce dernier dispose d'un arsenal de pointe. Et il y a même la DSL. Vous l'appelez le Fantastica. Joli. Il capte la radio par satellite aussi. Nous entrons dans l'espace aérien latvérien. La météo annonce 80% de chance de chute de méchants. Et 100% de chance de tir en approche. Je passe en pilote automatique pour qu'on puisse sauter. La torche et moi, on va sécuriser la zone d'atterrissage. Je fais la bombe. Les gars, je crois qu'on est repérés. Attention! Il va nous voler dans les prairies. Hein? Le voilà! Tenez-vous prêts! Ça alors? Je n'y ai venu vous voir. J'ai vu ça dans un film. Ah, le bouffon vert est ici. Fatalis a recruté tous les malfaiteurs qui existent. Je me demande ce qu'il leur offre en échange. Sûrement quelque chose d'intéressant, vu qu'il a une armée de gardes aussi. Ben, il faudrait que ça chauffe, là. Mais c'est ma réplique, ça. Directeur Fury, vous me recevez? On a été déviés de notre trajectoire. Répondez. Ça ne sert à rien. Quelque chose. Signal radio. Fatalis doit avoir un brouilleur dans les parages. Thank you.
Ça y est, t'es ici là. Cette parabole semble être à l'origine des interférences. Il faut la neutraliser. Ça va chauffer. Fantastique. Vous me recevez ? 5 sur 5. Nous avons détruit la parabole qui brouillait notre signal radio. Je suis de l'autre côté du château. On a besoin de renforts. Et vite. Il faudrait utiliser ce pouvoir d'invisibilité. C'est cool le fois de ça rapporte pas mal de pièces.
Hein? On devrait pouvoir déplacer certains objets avec ses pouvoirs. Allez là. Ah merde le coup. D'accord, là bien, pour les mini-kits, mais bon, je ferai pas ça tout de suite. Mauvaise nouvelle. Le seul moyen de faire descendre cet ascenseur, c'est de déclencher l'alarme et d'attirer l'attention sur nous. De déclencher l'alarme ? On n'était pas censé attaquer par surprise ? Il va falloir quelqu'un de très puissant. Elle peut pas monter, elle a besoin d'elle, mais faut pas qu'elle monte. Ah
Allez, on monte. Oh, on a déjà fini de jouer. Non, c'est vraiment les pires, allez.
Imbécile, ne m'obligez pas à utiliser le rayon fatal de fatalité du docteur Fatalis. Tu trouves que ça ressemble à un rayon laser ? Normalement, les rayons laser utilisent un faisceau de lumière, mais là, on dirait de l'énergie cosmique. On a qu'à lui demander ! Les méchants adorent parler de leurs gadgets ! Hé, Fatalis, c'est quoi ce machin ? Oh, tu veux le voir en action ? D'accord. D'accord. Shield, ici Fury. Hill, vous me recevez ? 5 sur 5. Écoutez, on a retrouvé notre ami le surfeur d'argent. On l'emmène à l'héliporteur. Fatalis s'est enfui avec Loki. Ces deux-là ensemble, ça ne présage rien de bon. On peut les localiser ? Sans problème. Comme on peut me localiser n'importe où. Apparemment... Oh. Il se dirige vers la mer, chef. Contactez le professeur X et voyez s'il peut nous envoyer des mutants pour nous aider à débusquer tous les acolytes de Fatalis. Oui, chef. Loki et le docteur Fatalis se dirigent vers l'océan. Ils sont sûrement sur la piste de briques cosmiques. Il faut aller là-bas et les retrouver. Loki, mon frère, que lui est-il passé par la tête dès qu'il s'associe sur Fatalis de malheur ? Je vais lui faire entendre la voix. Du calme, le bois. Il faut d'abord qu'on le retrouve. Allez. Les sous-marins de recherche du Shield sont utilisés pour combattre nos ennemis sous l'eau. Ils sont dotés d'un équipement de détection dernier cri, idéal pour localiser l'adversaire ou des objets. Ça se passe où, mon petit rencard avec Thor ? Dans un sous-marin de recherche du Shield. Un sous-marin de recherche armé jusqu'aux dents. Je m'attendais à autre chose. Non, ça, ce n'est pas notre sous-marin. Comment t'es arrivé là ? Avec un fil de soie ? Non ! Tu n'es pas le seul à pouvoir voler, tu sais. Avec les compliments de Monsieur Nick Fury et du Shield.
La prochaine fois, je te prêterai une armure en métal propulsé, si tu veux. Non merci, trop lourd. La statue part en balade ? Oh, actionner cet interrupteur. Essaie d'utiliser ton laser pour découper une forme. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Mon sens d'araignée me chatouille. Mon sens d'araignée me chatouille. Allez, attends. Allez. Super. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Bien joué, Spidey. Alors que j'essaie de me concentrer, attaquez-les! Dans ce filet.
Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Allez ! On peut me la faire à l'envers. Venez, Iron Man et Arachman, la voie est libre. Arachman. Je peux pas le taper, gros, y'en a du feu par terre. Voilà. Modoc, j'y crois pas. Quelle déception.
notre sous-marin. Je ne peux pas faire tomber la foudre ici. Nous sommes piégés. Ça va aller, Thor. Je peux séparer les molécules d'eau par télékinésie. Attendez pas. Jean, combien de temps va-t-il pouvoir maintenir cette bulle? Je peux encore vous protéger. Mais ma force est focalisée sur ce champ de force. Protégez-moi. Comment tu... Entends les baleines. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est? Attention, Matalis est sûrement dans les parages. Jarvis, des nouvelles de ce sous-marin de recherche? Fatalis était dedans quand le pétrolier a sauté. Il semble qu'il ait été pris au piège dans l'explosion du pétrolier. Je détecte un autre navire à proximité de vos coordonnées. Je suis pas seul. Allez, voilà. Putain, on est déjà à 4, hein. On les aura pas tous, mais on aura déjà pas mal, hein. Je suis assez content. Vous, humains, décorez le fond des mers avec des statues. Je sais pas, mais tout ça est très bon. Kraken, je crois. Invincible. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est? Ha!
Si on ouvrait la trappe, tout simplement. Ah, ça va pas la tête de frapper comme ça. Doc, dis-nous à quoi te servent toutes ces briques cosmiques. Je ne parle pas de vulgaires insectes. Alors, qu'en est-il d'un dieu? Ah voilà. Surveillez vos manières en présence de la grande dame. Oui, je sais. C'est sûr, Malvesta. Je sais pourquoi t'es ici, surfeur d'argent. Mais ce que je comprends pas, c'est ce que Loki et Fatalis ont à voir avec ton patron. Reed Richards et Hulk sont prêts à arrêter la Grande Dame. Voulez-vous vraiment de Wolverine sur cette opération? Je sais qu'il n'est pas du genre coopératif, mais on a besoin de lui. Il va vous falloir un avion pour suivre Magneto et... J'arrive pas à croire que je dise ça. La Statue de la Liberté. Nous avons un véhicule spécial Hulk pour vous emmener à la Statue de la Liberté. Wolverine sera sur place. Bon bah voilà les tipos, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un nom de pouce bleu, à partager, commenter vos avis tout simplement. Puis surtout à vous abonner, ça ferait très très plaisir. Ciao ciao.